Le XVIIe siècle, en Angleterre, c'est le triomphe de ce qu'on appelle les consortes de viol. Nous accueillons maintenant le lacrymé consort. Bienvenue à la boîte à musique. Alors, vous êtes là pour représenter glorieusement le XVIIe siècle, le XVIIe siècle chez les Anglais. D'ailleurs, vous appelez consort. Qu'est-ce que c'est qu'un consort ? Un consort, c'est un ensemble d'instrumentistes qui jouent le même instrument, mais dans des tessitures différentes, bien évidemment. C'est la famille des... Des viols de gambe. Des viols de gambe, ce n'est pas les viols de bras, c'est les viols de gambe. Oh. Elles se tiennent tous entre les jambes. Alors, de l'aigu jusqu'au grave, on a... Le par-dessus de viol. Le dessus. La taille, c'est-à-dire l'équivalent du ténor. La basse, la viole de gambe basse. Et Marie. Le violone. Le violone qui est un peu entre le violoncelle et la contrebasse. Et alors, ça a été une grande pratique dans le XVIIe siècle en Angleterre que ces ensembles de viols. Et le XVIIe, c'est Henri VIII qui n'a pas été très gentil avec ses différentes épouses. Et on parlait tout à l'heure de l'importance qui était donnée à l'art, mais je crois qu'Henri VIII jouait de la viole. Il devait sûrement jouer du luth ou de la viole, comme tout le monde faisait à l'époque, hein, puisque c'était, disons, les instruments nobles, contrairement à des instruments un peu plus triviaux qui pouvaient se jouer dans la rue. Nous, on pouvait jouer d'abord qu'assis, forcément, on jouait en intérieur, alors, dans les cours, mais aussi dans les églises, dans les salons. Et alors, on dit qu'il a composé un des thèmes les plus connus de la musique, qui est le thème de Greensleeve. Tu nous le joues ? Je vais faire le luth avec le piano. Voilà. Voilà. Ce que j'adore, c'est que donc Philippe joue du par-dessus, donc c'est un par-dessusiste. C'est bien ça qu'on dit. Voilà, et puis il faut dire que, par exemple, en France, au XVIIIe siècle, c'était l'instrument de ces dames. Toute dame de bonne compagnie devait jouer du par-dessus de viol. Et alors, il y a une grande lutte entre la famille des viols et puis une nouvelle famille qui est arrivée, qui petit à petit a pris le dessus, qui est la famille... Violon, alto, violoncelle, contrebasse, c'était quoi on appelait ça des viols de bras ? Au départ, oui. Alors, on a mis des viols comme ça sur les bras, c'est devenu les violades à braccio qui ont donné naissance au violon.
En tout cas, il y a une douceur du timbre. Enfin, c'est d'ailleurs ce qui était revendiqué à l'époque, hein, dans un premier temps. Tous les gens qui étaient du côté de la viole de gambe ont dit « Mais quelle horreur, le violoncelle, le violon, c'est trivial, ça joue faux. » Maintenant, reste à prouver en quoi cet instrument est particulièrement expressif, particulièrement doux, ce qui a fait penser que c'était supérieur à notre famille moderne de cordes. Tout à l'heure, vous avez joué une petite danse. Gaillarde. Une gaillarde de Holborn, qui est un compositeur anglais. Donc c'était danser et maintenant, place au sentiment avec une sarabande de Matthew Locke. À la fin du mois à Deauville et au Festival de la Chaise-Dieu ou dans leur dernier CD. Et je